Salut, c'est Larouche qui dit oui sur le Salon de l'Agriculture 2016. Aujourd'hui, nous recevons sur le stand Stéphane Lagorce. Bonjour. Enseignant des sciences de l'aliment à AgroParisTech, c'est dur à prononcer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Et aujourd'hui, on va parler un peu de l'agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire. Alors, c'est un terme que tout le monde connaît, mais est-ce que ce n'est pas un terme un peu vague? Est-ce qu'on peut le définir, l'agroalimentaire? Qu'est-ce que c'est et à quel moment ça apparaît? Alors oui, c'est un thème vaste et surtout, on va dire que c'est toute la chaîne en fait qui se produit entre l'agriculture et l'assiette finalement. Et donc il y a un maillage d'opérations et d'entreprises et de dispositifs qui font qu'on peut aller enfin du produit brut jusqu'au produit élaboré et même maintenant très élaboré, de plus en plus élaboré d'ailleurs. C'est un monde, de mon point de vue, qui est très hétérogène. Et souvent, on a des fois des critiques un petit peu trop, un peu massifiées sur l'ensemble du dispositif, alors qu'il y a probablement des secteurs qui seraient amendables, que je ne critique pas d'ailleurs, parce qu'en fait, elles répondent aussi à une demande. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le problème de la critique de l'industrie agro, c'est que finalement, on se critique nous-mêmes. Parce que finalement, on demande des choses au modèle et au système, et après, on lui dit attention, c'est pas bien. Donc, c'est aussi aux consommateurs, consommateurs, d'être un petit peu moteur là-dedans et de faire des choix et de par ces choix inciter un modèle à s'amender. Et d'autres qui, par ailleurs, tentent vraiment de travailler autrement, quoi. Je crois que les chiffres de mémoire, comme ça, c'est 5% de la surface cultivée qui reçoit 20% des pesticides sur les 70 000 tonnes qui sont utilisées, et ça concerne la vigne. Alors pareil, on va faire bondir tout le monde en disant ça, je vérifierai, il faudra bien vérifier les chiffres avant de les certifier comme exacts, mais de mémoire c'était ça. Et c'est vrai que ça pose question quand même, ça pose question. Alors je ne dis pas qu'on va s'empoisonner à boire du vin, parce que j'en bois tous les jours et tout va bien, mais y a des débats qui sont là et il y a des gens qui posent des questions et ces questions méritent d'être entendues et d'être débattues, j'allais dire en toute transparence, mais des deux côtés, quoi. Enfin, de tous les bords, de ceux qui utilisent, de ceux qui fabriquent et de ceux qui consomment. En fait. Et en fait, pour moi, c'est l'idée que dans l'art culinaire, il y a énormément de techniques de savoir-faire qui sont complètement inutilisées en industrie agro, qui remplacent ça par des techniques dures, par des additifs, par ce genre de procédés. Et moi, mon métier de fond, finalement, c'est de faire percoler ce savoir-là dans l'industrie. Bon, moi, je travaille à l'intérieur pour réformer, enfin, former une génération, enfin, moi et d'autres, une génération d'ingénieurs qui seront aux commandes là, dans les années qui viendront, mais qui vont avoir une perception complètement différente du produit industriel, entre guillemets, parce qu'en fait, ils auront une approche culinaire des choses, quoi. Et de mon point de vue, ça change tout, quoi. En tout cas, je sais que moi, la discipline que j'enseigne, on n'est pas nombreux à le faire, parce que malheureusement, des cuisiniers ingénieurs, il n'y en a pas. On n'en forme pas. Et le contraire, on le fait, parce qu'on prend des ingénieurs, on les forme à la cuisine. Donc, du coup, on fait évoluer les choses. Et pour l'avenir, moi, je pense qu'en fait, les jeunes qu'on voit, ils sont ravis d'apprendre ce qu'ils apprennent et ils sont très enthousiastes de faire ce qu'ils font. Donc, ils vont pas tout changer tout seuls, hein, mais voilà, c'est une petite pierre à l'édifice. Enfin, ouais.